Après Carthagène, on a pris le bus pour la Santa Marta. Après 3-4 heures de bus, on est arrivé à Santa Marta. On a ensuite pris un taxi pour aller à l'entrée du parc Terronar. Alors le premier endroit dans lequel on est resté dans la partie Caraïbe de la Colombie, c'est The Journey Hostel. C'est une auberge type écologe, donc avec des cabanes dans la jungle, en type un peu écologique, avec toit en palmier, grande ouverture sur la nature, hamac, grand lit. Bon, nous on a pris une chambre privée mais aussi des dortoirs. C'est pas trop cher, on a payé 15 euros par personne la nuit en chambre privée, donc c'est rien du tout par rapport au type de la chambre qu'on a. L'auberge, elle est encore en construction, mais si vous revenez dans un an après la diffusion de la vidéo, je crois qu'elle va être tellement cool, cette auberge. Je suis allé visiter la partie en construction, il doit y avoir une piscine suspendue, je sais plus comment ils appellent ça, une piscine infinie avec débordement. Il va y avoir un super bar, il va y avoir plein de chambres en plus. Franchement, je vous la recommande. Alors, on a eu l'excellente idée de rejoindre Terronar à pied depuis l'auberge. Super. Il y a encore un bus qui est passé à côté. On les a attendus pendant 20 minutes. On s'est dit on va y aller à pied, c'est pas loin. Puis c'est le deuxième bus qui passe à côté. On aurait attendu un petit peu, on aurait chopé un bus. Enfin bref. On marche 25 minutes. On est déjà trempé jusqu'à l'os. On se fatigue avant même d'arriver dans le parc. On valide. Après 2h30 de marche, sans très gros arrêts, on est arrivé à la plage principale de Terronar, donc c'est Cabo San Juan. Donc c'est vraiment sympa, c'est calme. Il y a pas mal de monde, mais pas autant que je l'imaginais. Je pense que c'est parce qu'on est en semaine. On va éviter de venir le week-end parce qu'apparemment c'est blindé de chez blindé. Mais elle est vraiment super belle. Bon, il y a des endroits pour camper, mais ça enlève pas non plus la beauté du paysage. Bon, apparemment, il y a des alligators, des caïmans qui habitent ici. C'est rassurant. Susto se llevaron los bañistas de la playa Cañaveral en el Parque Natural Tayrona cuando en medio del día un caimán aguja apareció entre los bañistas. Según reportaron, inicialmente creyeron que el caimán se encontraba dentro del agua. Alors là, on est sur le tour de Terronar Park. Donc nous, on est resté qu'une journée. Quand on reste une journée, il faut bien prévoir son coup parce que le parc il ferme à 17h et il y a à peu près 2h30 de marche jusqu'à la plage de Cabo San Juan, la plus connue. Bon, si c'était à refaire, on aurait loué un hamac et on serait resté une nuit. On peut vraiment plus profiter en 2 jours, on peut profiter des plages, marcher à un rythme tranquille. Si vous voulez venir, on vous conseille de louer un hamac, de louer une tente. On devait rester 2 jours à Terronar. Louez ce que vous préférez, je pense que c'est pas spécialement cher, je me suis pas renseigné mais ça doit pas être trop cher. Et comme ça vous profitez des plages. Bon, nous on peut pas spécialement profiter parce qu'on a le tatouage. Donc au final c'est un mal pour un bien. Ouais. Qu'on a bien couvert avec du papier cul, on a fait un peu
un bandage de schlag parce que ça transpirait trop de par-dessus. Et puis avec le soleil, c'était compliqué. En tout cas, Terona, on valide un gros coup de cœur. Alors là, on vient de quitter The Journey Hostel et on s'est fait encore un petit peu plaisir. On a pris deux nuits dans un hôtel villa. Donc ça s'appelle Cayena Beach Village. C'est à même pas 20 minutes de l'auberge dans laquelle on est resté. Et franchement, l'endroit est vraiment trop, trop ouf. Alors ça, c'est la chambre. Elle est vraiment trop, trop belle. Atmosphère plage. Le lit est vraiment super grand. Je sais pas si c'est du king size, du queen size, mais il est super grand. La vue depuis la terrasse. Et la salle de bain. Ouverte sur l'extérieur. Avec la jungle. Ça c'est pas top. Donc dans le prix de la nuit, on a le petit déjeuner et le repas du soir qui est compris. Donc on a déjà mangé le repas du soir hier soir, c'était vraiment super bon, c'est super lourd. Pour le petit déjeuner, on a une carte, on peut choisir ce qu'on veut. Donc moi j'ai choisi pancake, ça a l'air plutôt pas mal. On va goûter ça tout de suite.